êtes arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé, pour le meilleur et pour les pires. Mais ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse. Aime-moi ton époux, et c'est là pour la vie. Oh ya voye na monade, gai. Oh ya voye na santate, na mutima. Oh ya voye na yokate, na yokate. Oh ya voye na swawate. Le moyage, témoignage, témoignage, ma solo na bête la moto te oh, yeah, témoignage, ma solo ya binanga ya chambre, kesa toma témoignage, ma solo ya binanga ya kati, okoma témoignage, avayon pana simba kisi ganda tuna yesu témoignage.
si kinyabu cha wanara omatele pale mambo yanapoonekana ya enti ni ajabu sana namna moyo unaangaika ajabu sana moyo unavyoonyesha mashaka ijapokuwa Mungu anaishi ndani yangu ijapokuwa Mungu anaketi kati yetu nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa yalibadilika mambo Mungu niko yalisimama na kusahau za alotenda Bwana mwanzo Mungu nisaidie Shura zako ili nikusifu Nime wimbo wa sifa katikati ya machozi Nime wimbo wa sifa katikati ya machozi oh, oh. E Mungu nisaidie Nisaidie kukumbuka baba Ya kwa maume ni chura Kiganjani mwako Kati ya wengi wali yapa Duniani Na mime niwana Nikumbushe papa Ya kwa mani wewe Uliniponya nilipo umwa Ya kwa mani wewe Mulipaji wada yangu shure Shure Oh oh Kama ungeniacha tu mmoja nisingelifika nilipo Hey baba umenikunguta mavumbi mimi na kuniheshimisha Hey 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 Mungu nisaidie Shura zako ili nikusifu Nime wimbo wa sifa katikati ya machozi Nime wimbo wa sifa katikati ya Honneur aux mariés, on est heureux de vous accueillir, Myrtille et Patrick, c'est pour vous un grand jour hein, que vous avez attendu depuis longtemps, alors profitez-en parce que ça passe vite, on prépare souvent longtemps à l'avance mais ça passe vite. Ça. Alors voilà, on est heureux de prendre part aujourd'hui
à votre joie de vous unir devant Dieu dans les liens du mariage. Alors, bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous êtes mariés, puisque ça fait déjà des années que vous êtes mariés civilement à la mairie. Mais jusqu'alors, vous n'aviez pas eu l'occasion de pouvoir faire une cérémonie religieuse, et ça, ça vous tenait vraiment à cœur. Et c'est pour ça que cet après-midi, ben, on est rassemblés avec vos familles, vos amis, parce que pour sceller votre union devant Dieu, même si vous n'avez pas attendu ce jour pour demander la grâce du Seigneur, mais je crois que c'était important de le faire aussi voilà, devant votre famille, devant vos amis, et de demander au Seigneur, c'est vrai, sa grâce. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, on va se recueillir et demander au Seigneur, eh bien, sa grâce sur ces instants, qu'il bénisse vraiment. On croit que le Seigneur est là, présent par son esprit. Ah Seigneur, c'est vrai, nous voulons avant tout te bénir, te louer, parce que tu le dis, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et Seigneur, ce n'est pas un local qui détermine ta présence, mais ce sont ceux et celles qui invoquent ton nom. Et nous croyons que tu es là, présent par ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment de bénir ces instants, cette cérémonie, Seigneur. Merci, c'est vrai, nous prenons part à la joie de Bertillier et Patrick. Nous voulons vraiment les remettre entre tes mains, ainsi que toute cette famille, Seigneur, que tu bénisses ta parole qui va être ouverte. Seigneur, nous comptons sur toi, sur l'action de ton esprit. Ah, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Alors, permettez-moi de vous lire juste un verset de la Bible qui est tiré du livre des Proverbes, au chapitre 10 et au verset 22. Il est dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et il y a une autre version qui a traduit « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il ne la fait suivre d'aucune peine. » Alors j'aimerais bien m'appuyer sur ces paroles pour introduire ce partage pendant quelques minutes. Et c'est vrai que parler de bénédiction, c'est un sujet qui convient parfaitement au mariage. Et c'est vrai qu'il a toujours été dans la volonté de Dieu de bénir celui et celle qui s'unissent dans les liens du mariage. Alors, il faut le rappeler, le mariage... C'est pour ça que vous avez eu à cœur cette cérémonie, c'est que ce n'est pas simplement un acte légal aux yeux de la loi, hein. C'est pas juste non plus par tradition religieuse, mais le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et c'est vraiment lui qui en est à l'origine, de l'union entre l'homme et la femme. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, et notamment les premiers chapitres du livre de la Genèse, on découvre qu'au commencement de notre humanité, avant même d'établir les lois, avant même d'établir les autorités, eh bien la première chose que Dieu a faite, c'est d'instituer le mariage. Et après avoir créé le premier couple, Adam et Ève, eh bien, il va les appeler à devenir une seule chair, une seule chair. Et la Bible nous dit qu'après avoir créé ce premier couple, la première chose qu'il va faire, c'est de les bénir. Il est dit, dans Genèse chapitre 1er verset 27, « Dieu les bénit en leur disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Donc,
dès le départ de notre humanité, Dieu s'est plu à répandre sa bénédiction sur le premier couple. Et il en est de même encore aujourd'hui. Le Seigneur se plaît à bénir, à répandre sa bénédiction sur celui ou celle qui s'unit dans les liens du mariage. Et ça, c'est sa volonté vraiment de les bénir. Et Yatine et Patrick, eh bien, soyez aussi convaincus que c'est sa volonté de vous bénir, de répandre sa bénédiction. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quand on lit les évangiles, le premier miracle que Jésus a accompli. On aurait pu penser que le premier miracle, ça allait être de guérir des paralytiques, par exemple, dans le temple de Jérusalem. Quelque chose de spectaculaire, de ressusciter même un mort. Eh bien non. Le premier miracle que Jésus va accomplir, ça va être au cours d'un mariage. Dans un petit village à Cana, où là, Jésus va changer miraculeusement l'eau en vin. Et ce n'est pas un hasard si justement ce premier miracle a eu lieu aux noces de Cana, mais en agissant ainsi, Jésus montrait à quel point le mariage est important. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu de vivre en concubinage où on va se mettre ensemble pour un temps et puis quand ça ne va plus, on change de partenaire. Mais la volonté de Dieu, c'est que le mariage soit honoré au sein du couple. Et en intervenant miraculeusement à ses noces, et il a montré à ses époux son désir de les bénir, d'être pour eux une source de bénédiction. Et en fin de compte, si Jésus a pu intervenir à ses noces de Cana, c'est parce que les époux ont eu la bonne idée d'inviter Jésus. Parce que vous savez, le Seigneur n'est pas celui qui s'impose. Jamais il ne va s'imposer dans une vie, ni s'imposer dans un couple. Mais il est prêt à intervenir dans la mesure où on fait appel à lui, où on est prêt aussi à écouter les divins conseils eh bien, qu'il nous donne au travers de sa parole. Et en fin de compte, ses époux, bien que vivant un moment de bonheur, de joie, eh bien, ils n'en ont pas pour autant oublié d'inviter Jésus. Parce qu'il faut le dire, il y a tellement de gens aujourd'hui qui, quand tout va bien, mettent Dieu aux oubliettes. Quand on n'a pas de difficultés particulières, on se dit, Jésus, c'est peut-être bien pour les autres, mais on ne se sent pas concerné. Mais en réalité, on a tous besoin de Jésus. On a tous besoin de sa grâce. On a tous besoin de son salut. Et il ne faut pas qu'on attende d'être au fond du gouffre, que tout aille mal pour réaliser qu'on a besoin de lui. Mais ça vaut la peine, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans l'abondance comme dans la disette, dans le bonheur comme dans le malheur, eh bien de faire appel au Seigneur Jésus, de lui demander sa grâce. Et Bertille et Patrick, vraiment, je le répète, vous avez bien fait, vous aussi, d'inviter Jésus à votre mariage. J'ai envie de dire, c'est l'invité d'honneur. C'est l'invité d'honneur. Et ce n'est pas avec un carton d'invitation que vous avez invité le Seigneur, mais c'est par vos prières que vous lui avez adressé et que vous lui avez demandé
de conduire vos vies, de conduire ces moments. Et vraiment, soyez convaincus, oui, que c'est sa volonté, non seulement de vous bénir, mais de bénir votre foyer, de bénir vos enfants, et même par la suite, vos petits-enfants. Parce que la bénédiction du Seigneur, elle va de génération en génération. Alors, dans la Bible, le mot « bénédiction », il signifie « dire du bien de quelqu'un » ou « lui faire du bien ». C'est une grâce qui est accordée, un bienfait, une faveur. Ce mot est aussi synonyme de réussite, de bonheur, de joie. Donc là, la bénédiction de Dieu, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Elle est très large. Et en fin de compte, la bénédiction de Dieu, elle n'est pas seulement physique ou matérielle. Oui, Dieu est capable de nous bénir dans notre santé. Et vous l'avez expérimenté. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins, même dans les situations les plus extrêmes. Il est capable de nous garder d'une manière providentielle. Mais avant tout, la bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Et vous savez, la première chose dont Dieu veut nous accorder, c'est avant tout le salut de notre âme. En Jésus-Christ, Dieu veut nous sauver. C'est la chose la plus essentielle. Parce que, à quoi servirait-il d'avoir été béni physiquement, d'avoir manqué de rien, d'avoir eu même une longue vie, si en quittant cette terre, on se retrouve perdu pour l'éternité? La vraie bénédiction, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ et de le suivre fidèlement jusqu'au bout. Et en donnant sa vie à Christ, eh bien oui, le Seigneur nous enrichit de ses promesses, de sa présence à chaque instant. Il nous accorde sa paix, une paix qui peut demeurer en toute situation. Il y a tellement de gens qui aujourd'hui sont angoissés, sont stressés. Mais Jésus, lui, veut répandre sa paix, une paix qui peut demeurer en toutes circonstances, une paix qui découle du pardon de nos péchés. Oui, comme le dit ce passage du livre des Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seulement, la bénédiction divine, elle ne peut nous accompagner que dans la mesure où nous faisons le choix de la foi. Le choix de mettre Jésus au centre de notre vie. Parce que quand la Bible parle de bénédiction, ne pensons pas que c'est une question comme si ce serait une forme de loterie, de hasard, où les uns vont avoir la chance d'avoir la foi et donc par conséquent d'être bénis par le Seigneur, et puis que d'autres, entre guillemets, auraient la malchance de ne pas croire, et puis, en fin de compte, pour eux, bien, ils seraient destinés à n'avoir que des difficultés dans la vie. Mais non, la bénédiction de Dieu, elle est tout pour tout être humain, parce que s'il y a bien une chose que tout être humain peut faire, c'est bien de croire. Vous savez, il y a des gens des fois qui nous disent « mais moi j'arrive pas à croire », mais en réalité, c'est qu'ils ne veulent pas croire. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut faire, si on le veut, on peut placer notre confiance en Jésus-Christ. Et non, la bénédiction de Dieu, c'est pas une question de chance ou de malchance, mais c'est à nous qu'il appartient de faire le bon choix. Et un jour, Dieu dira à son peuple, dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction
et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Enfin, devant un tel choix, il me semble que si on a du bon sens, entre la vie et la mort, si on a du bon sens, on choisit la vie. Entre la bénédiction et la malédiction, si on a du bon sens, on choisit la bénédiction. On va choisir la malédiction. Eh bien, choisir la vie, choisir la bénédiction, c'est choisir Jésus-Christ. C'est suivre Jésus, celui qui peut nous donner la vie, la vraie vie, la seule qui vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est l'accepter, et non seulement l'accepter comme son sauveur, mais jour après jour, se conformer à sa parole. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de croire et puis de vivre comme bon nous semble. Mais choisir la bénédiction, c'est choisir de nous soumettre à sa parole. Et c'est de cette manière, oui, qu'on va s'attirer la bénédiction de Dieu. Maintenant, vous savez, le Seigneur nous donne une volonté. Et là aussi, on peut aussi choisir de ne pas suivre Jésus. On peut choisir de vivre comme bon nous semble. On peut essayer de se persuader que, en fin de compte, il n'y a rien après la mort, que c'est l'anéantissement total. Seulement, faire un tel choix, eh bien, ça revient à choisir la mort, la malédiction. Choisir de vivre sans Dieu, sans Jésus-Christ, c'est non seulement se priver de sa présence ici-bas, mais c'est de courir le risque de se retrouver perdu pour l'éternité. Parce que vous savez, l'enfer, des fois on se l'imagine, voilà, une petite marmite avec les damnés dedans. Mais l'enfer, c'est se retrouver dans les tourments éternels, privé éternellement de la présence de Dieu. Parce que c'est ici-bas qu'on choisit sa place pour l'éternité. Après, c'est trop tard. Alors, oui, on a tout à gagner, et Myrtille et Patrick, vous avez eu tout à gagner à placer toute votre confiance en Jésus, en celui qui se plaît, comme dit la Bible, à envoyer la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais je le répète, la bénédiction de Dieu, elle ne s'obtient pas simplement en claquant des doigts, et puis hop, c'est automatique, Dieu va nous bénir. Dans quelques instants, après que vous aurez fait l'échange des alliances, priez pour vous, mais vous êtes bien conscient que ce n'est pas moi, pasteur, qui donne la bénédiction. Et ce n'est pas non plus le fait simplement de faire une cérémonie religieuse qui donne la bénédiction. Mais, en fin de compte, c'est dans la mesure où vous deux, jour après jour, vous allez placer votre confiance en Jésus, marchant dans ses voies, et bien que vous allez attirer la bénédiction sur votre vie, sur votre couple, sur vos enfants. C'est ça, c'est de cette manière qu'on s'attire la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. La corde à trois fils, c'est quand Dieu est au centre d'une union entre un homme et une femme. Et en fin de compte, on prend souvent cet exemple du triangle, où mettez Dieu en haut, Myrtille d'un côté, Patrick de l'autre, et plus vous allez vous rapprocher de Dieu, plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Il n'est pas dit qu'elle ne se rompra jamais, mais qu'elle ne se rompt pas facilement, dans le sens
que dans le mariage, rien n'est acquis. Même après des années, rien n'est acquis. Et il faut toujours veiller et veiller à ce que la flamme de l'amour soit renouvelée quotidiennement. C'est pas seulement le jour du mariage qu'il faut se dire « je t'aime ». Et c'est important qu'il faut veiller à cela et veiller aussi, si on veut garder cette unité, eh bien, prenez du temps à prier ensemble, à lire la parole de Dieu ensemble avec vos enfants. C'est de cette manière que vous allez permettre au Seigneur de tisser des liens de plus en plus forts entre vous deux. Et ce qui va vous permettre de tenir bon, même au sein des tempêtes, et d'être capable aussi, quand c'est nécessaire, de savoir se demander pardon. Parce que dans un couple, il faut savoir aussi se demander pardon. Ça, c'est essentiel. Le mariage, c'est pas l'union de deux anges. Vous le savez. C'est pas l'union de deux anges. Mais le mariage, c'est en fin de compte l'union de deux êtres imparfaits, avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Et il faut surtout pas qu'on ne voit que les défauts de l'autre et penser qu'il n'y a que l'autre qui doit changer, qui doit faire des efforts. Amen, pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un dimanche, il y a un pasteur qui a fait cette annonce. Il a dit, écoutez, cette semaine, il va y avoir une réunion avec ce thème, comment changer votre femme. Alors, oui, c'était un titre un peu accrocheur. Hein. Alors, la fameuse réunion arrive, et curieusement, la majorité de l'auditoire, c'était des hommes. Il semble que le sujet les intéressait. Et alors le pasteur a commencé en leur disant, « Eh bien, si vous voulez que votre femme change, commencez à laisser le Seigneur vous transformer. » Amen. Amen. C'est ça. Et s'il avait pris le thème « Comment changer votre mari ?» Eh bien, il aurait dit la même chose aux épouses. Parce que, en fin de compte, un foyer béni, eh bien, c'est un foyer qui, jour après jour, se laisse transformer par le Seigneur. Quand la Bible dit « Vous deviendrez une seule chair », c'est bien, c'est pas le jour du mariage qu'on devient une seule chair, une seule identité, mais c'est jour après jour qu'on laisse le Seigneur nous façonner. Et forcément, il y a des concessions réciproques à faire, des ajustements l'un envers l'autre, faire preuve de compréhension, d'indulgence, de patience l'un envers l'autre, sachant que le Seigneur aussi est patient envers nous. Et puis, aussi, savoir maîtriser ses paroles. Parce que peut toujours y avoir des désaccords. Même quand on est un couple chrétien, il ne faut pas idéaliser les choses. On peut parfois être en désaccord. Mais maîtrisons nos paroles. Vous savez, bien sûr, on condamne toute forme de violence physique. Mais il y a des paroles qui font encore beaucoup plus mal. Parce qu'elles restent. Et des fois, même quand on s'est demandé pardon, c'est comme un clou qu'on a enfoncé dans une porte, on peut enlever le clou, mais il reste la marque. Donc on a besoin de maîtriser aussi nos paroles, et ça, c'est le Seigneur qui peut nous aider. Un couple uni, oui, c'est un couple qui se laisse transformer par le Seigneur, et envisager un mariage béni, c'est aussi renoncer à une vie égoïste, centré sur soi-même, en ne pensant qu'à soi-même,
Vous avez choisi, sur votre faire-part de mariage, vous avez pris ce verset, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est pas... Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit au service de l'homme. Et il est bien dit, semblable à lui. C'est-à-dire que la femme n'est ni inférieure, ni supérieure à l'homme. Elle lui est semblable, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité. Dans des domaines, la femme va être plus compétente. Et puis dans d'autres domaines, ce sera l'homme. Et en fin de compte, quand la Bible parle d'être semblable, cette complémentarité, c'est en fin de compte que chacun soit à sa place. C'est ça. Que chacun soit à sa place. Et à partir de là, eh bien oui, on permet au Seigneur de répandre sa bénédiction. Et puis, vous savez, souvent dans notre société, on conçoit l'amour comme si c'était toujours l'autre qui doit donner. Mais aimer, c'est avant tout donner et se donner. Comment Dieu nous a-t-il aimés ? Eh bien, en donnant son Fils unique, qui est mort pour nous sur la croix. Ça, c'est la manifestation de son amour. Peut-être quelqu'un pourrait se dire cet après-midi, mais en quoi Dieu m'a-t-il aimé ? Si vraiment il m'aimait, j'aurais pas tant de problèmes. Bien, j'aimerais vous dire que à la croix, Dieu nous a donné une preuve incontestable de son amour. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a fait pour nous ce que aucun être humain n'a fait. Il nous a donné son Fils Jésus, afin que ceux et celles qui croient en lui, qui l'acceptent comme sauveur, puissent être pardonnés, sauvés. Oui, Dieu nous aime. Jésus nous aime. Amen. Vous savez, quand sur la croix, alors qu'on était en train de se moquer de lui, Jésus était là sur cette croix, on l'insultait. À un moment donné, on a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais bien sûr que Jésus aurait pu descendre de la croix. Lui qui a tout pouvoir, il aurait pu descendre de la croix. Mais il ne l'a pas fait. Et vous savez pourquoi ? Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur la croix. Mais c'est son amour pour nous. Amen. C'est son amour pour nous qui l'a retenu sur la croix, pour donner sa vie, pour le salut de notre humanité. Et puis, une dernière pensée, et en disant que la bénédiction de Dieu, quand elle repose sur un couple, eh bien, ce couple est placé aussi sous la protection. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre plus de difficultés, plus d'épreuves, mais dans nos épreuves, on peut compter en tout temps sur le Seigneur. Et Myrti et Patrick, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, hein, et on vous a vu traverser des moments très difficiles. Je pense à toi, Myrti, qui a eu rupture d'anévrisme, cette hémorragie cérébrale, il s'en est fallu de peu. La vie, elle tenait à un fil. Mais, béni soit Dieu, le Seigneur a posé sa main sur toi. Et il t'a relevé miraculeusement. Et je pense à Patrick aussi, quelques années, qui a eu un accident dans un autobus, là aussi. Ça aurait pu être fatal. Mais le Seigneur aussi a gardé. De telle sorte que si tous les deux, vous êtes là aujourd'hui, eh bien oui, on peut dire que le Seigneur a vraiment veillé sur vous. Amen. Vous avez été placés sous sa protection.
Et vous savez, la protection du Seigneur, elle va bien au-delà de ce qu'on voit de nos yeux. C'est pas seulement une protection physique, mais c'est aussi une protection spirituelle. Et je suis convaincu que bien des fois, le Seigneur vous a même préservé du mal que l'ennemi de vos âmes voulait vous faire. Il vous a préservé peut-être d'un autre accident, d'une maladie. Et la bénédiction de Dieu, là aussi, placée sous sa protection, c'est pas juste parce que on a confessé son nom, mais c'est parce qu'on demeure en Jésus. Et à partir du moment où on demeure en Jésus, eh bien oui, on est vraiment placé sous sa bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, vraiment, c'est tous ensemble avec votre famille, oui, soyez bénis de la part de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, encore, il l'a déjà fait, mais je crois qu'il veut le faire encore. Amen. Et que non seulement vous soyez bénédiction l'un pour l'autre, mais aussi des sources de bénédiction pour vos enfants, pour qu'eux aussi connaissent la grâce qui est en Jésus-Christ, que vous soyez en bénédiction là où le Seigneur vous place, avec vos familles, avec votre entourage. C'est ça, Dieu nous bénit pas simplement pour nous-mêmes, mais pour que nous on soit aussi des sources de bénédiction, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avant de prier pour vous deux, vous allez maintenant pouvoir faire l'échange des alliances et même renouveler vos vœux l'un envers l'autre. Alors, bon honneur à Patrick. Aux yeux de Dieu et de toutes nos familles, Bertie, je te mets cette alliance, signe d'amour, de reconnaissance, surtout de confiance, tout ce qu'on a vécu ensemble et on continue à vivre. Donc, c'est une façon pour moi de te renouveler mon amour, de te dire combien tu comptes pour ma vie. Tu es important pour moi, pour ma vie. Et pour tout ce que je vis. Donc, je fais cette alliance, signe d'amour. Je t'aime. Amen. Patrick, que vais-je dire devant tout ce monde? Si ce n'est te dire que je t'aime fort. Amen. Amen. Et c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de mettre cette alliance pour que nous demeurons ensemble par la grâce de Dieu, bien sûr. Amen. Et que Dieu te garde encore, qu'il se souvienne de toi, qu'il te localise pour tout ce que tu es. Reste encore auprès de moi. Qu'à cela tienne la volonté du Seigneur. Amen. Comme tu le dis. Je t'aime. Amen. Oh, merci. On peut se lever. On va demander au Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Ah, Seigneur, nous voulons vraiment te bénir de tout notre cœur. C'est vrai, Seigneur, si mes filles et Patrick sont là, Seigneur, aujourd'hui, c'est bien un effet de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde.
C'est vrai que tu as veillé sur eux jusqu'à ce jour. Et nous voulons vraiment t'en rendre grâce. Merci pour le jour où tu as permis qu'ils croisent leur chemin, Seigneur. Tu as permis que leurs sentiments, Seigneur, soient l'un envers l'autre. Et Seigneur, nous voulons vraiment les remettre entre tes mains. Seigneur, que vraiment ta bénédiction, en effet, leur soit accordée. Cette bénédiction, je crois, Seigneur, qu'ils vont l'attirer en marchant avec toi. Seigneur, que ta parole soit toujours celle qu'ils servent jour après jour dans leur cœur. Seigneur, viens les diriger, viens leur montrer les choix qu'ils auront à faire encore, que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit aussi pour donner des conseils aux leurs. Seigneur, viens les diriger, les inspirer. Oh, merci de leur parler chaque fois qu'ils en ont besoin, et je crois aussi que tu seras fidèle pour pourvoir à leurs besoins et de renouveler leurs forces jour après jour. Amen. Merci de tisser des liens de plus en plus forts l'un envers l'autre. Amen. Seigneur, et que ils aient la joie aussi de voir tous leurs enfants marcher aussi fidèlement dans tes voies. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.
bisika moto akoki kokoma te Nous dit, est-ce qu'on peut applaudir?
Mamoudou Mantouzi va s'asseoir. Je le répète, c'est le premier couple congolais réglo. Ils ont dit qu'on va rentrer à telle heure, ils l'ont fait. Au pétain, on va reparler ce soir. Alors, ils vont s'asseoir. Prenez place, s'il vous plaît. Ils vont s'asseoir. Et le suite du programme tout à l'heure. Le DJ, merci. Rumba Gospel. Kasi bwe bitene azoyo kapura moto yo na linga poko na nenga pamba sekansi bina nanu kolinga teri olingo natonga na pasi komekate bobebisa yango botikelangai naponi sheri nanga ah. A toi zongi si yango Nanda konangwebi makase libanda Chasseur de la nature Reviens toujours au galop Mobali noa koti kala seko ya yo Moto yo ma force Elinga moto alingete Maganize na ye kozonga Sala moto yo ya lingaga Ebi nanga kebali ni makomi ebele Zala bolingo na nga ekozala mabulu mingi Naza siona conducteur a bolingo na ngai Akome mangata kotkoti na kokota na katia Jwa na ngai Jwa na ngai Jwa na ngai Débordé par moi, n'a moi jamais maman les maca kokumbango kokumbango araignée à ton akanda konaye sans assistance à ba maman ni bachite expert à bolimois à la kati tout dépend à n'engozo koumé la lame mais la kaye kakabombo Linga nanga mama verdi Linga nanga leni bidance Papa Levi Chris et Melvin Linga ta bouche le père Ozale langa tribunal la bolingo Okene ko katalika moyonga na ye Bolinga kayete bonani Chers amis, je vous ai dit, je veux continuer comme ça à vous appeler les amis. Quelles que soient les circonstances, nous sommes tous amis, d'une manière ou d'une autre. Alors les mariés vont ouvrir les balles, dès qu'ils ont fini, ils repartent s'échanger, et nous, par la suite, on va continuer à manger. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver dans la salle, dirigez-vous vers le buffet. Les mariés vont ouvrir le bal. Merci, DJ.
Seigneur, il y a un mari pour le papa, professeur. Ça me rend pour son travail pour le cabane, il y a un mari pour le papa. Ça me rend pour le papa, pour le papa. Ça me rend pour le papa, pasteur. Seigneur, il y a un mari, ça y est, je vous arrête. Dis, il y a un mari pour le papa, pour C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, ton qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Wakwatoul. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Wakwatoul. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu. Allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No, my, no, my, no. Mote, my, mote, my, hey. Emma, Emmanuel, tu es là, tu es là. C'est Dieu qui a commencé. Il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va ma bouche. Les mariés sont là, mais c'est pas dans le désordre qu'ils vont rentrer. Je vous prie donc de vous asseoir avec tout le respect, si on peut éviter les allers et retours. Deuxième chose, n'encombrez pas l'entrée parce que le marié va être accompagné, la mariée également. Alors, ceux qui puissent tout au gémoto dans la porte, là, ça ne fera pas du bien. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver dans la salle, si vous voulez manger,
il y a toujours à manger de l'autre côté là-bas. Merci. Je veux me mettre là-bas, Didier. Je te fais signe pour que le marié puisse rentrer. Applaudissez. So
applaudissez, applaudissez, chers amis. Chers amis, il est temps que vous ramenez ce que vous avez prévu, des présents, des petits cadeaux. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu créa, c'est ça les signes. La parole et la création des hommes, les Alaranamo toujours. Kafou Kafou, Keba Keba. Si seulement tu savais que la foi pouvait sauver. Si seulement tu savais qu'une parole pouvait guérir. La maladie, les problèmes de ta vie auraient changé. La maladie, les soucis de ta vie auraient changé. Mais il y a un Dieu qui te promet sa protection tous les jours de ta vie. Merci Simbi Family, merci, merci, merci beaucoup.
baninga boyoka sangwa malamo boye lelo yo na baloli mpona sokoli motema nanga pona ye biboko nzambe ekomi mboka mboka posana pembeni na yawe bato bato bafuka mela ye pamba te kanda ya nzambe si ekomi mpene esengo esengo na baoyo bakima bansumuki esengo esengo na baoyo bakima satana po nzambe azali na bango pembeni kino liwa ngombe ngombe kuta yebaka nkolo na ye mpunda mpunda kuta bosana kata elelo na ye te kasi mpo na nini biso bato ya mokili tobosanaka nzambe boye esengo esengo na baoyo bakima bansumuki esengo esengo na baoyo bakima satana po nzambe azali na bango pembeni kino liwa mboka mboka posana pembeni na yawe bato bato bafukamela bakubamelaka ye pamba te ekanda ya nzambe si ekomi pene Kila fe, kila fe, kila fe. Dada lola sani angoba nyego kila fe. Sende kila fe.
Fusa Moto Papa Cordonnin Maître Shelby Père Abraham Jésus Toukoufa Un président de tous les animaux. Yango wanana soye mbela bango. Les associés de la banque mondiale. C'est pour le président du Maroc. Ayuki. Malgré le boss. Les sincérités, le préféré du boss. Ayuki. Armer le matin, c'est la promettre Pharaon. Ayuki. La tête à pointe noire. Yemoni Mawe. Ayuki. Mon ami Mabou, c'est l'Espagne. DJ Elgawan. Rodigas, yeah. DJ. Tapis noir, DJ. Yeah. DJ Thérapie. Yeah. DJ Mola. DJ Tcharoubi, yeah. 32 ans de pouvoir. Yeah. Mobutu. Junior, yeah. Mekoudou. Et toi, fils, c'est la Poubata. Car tu peux les gars. Espagne, la yemoni mawe, ayuki, excuse, ah, Zami, devoir, bon,
Thank you.
Thank you.
Chouchou, chouchou.